C'est parti. Vous voyez comment il va y avoir du monde, hein. Ça y est. Par contre, tu retireras pas la tenue tant que je te l'aurais pas dit. Ouais. Donc voilà, là, ils sont poudrés. Ceux qui sont blancs sont morts. Et ceux qui sont pas encore blancs vont aller dessus et vont mourir. L'intervention est terminée. Même sans savoir si le nid était là ou pas. Oui, parce que forcément, ils vont passer pour rentrer. Ils vont se contaminer avec la poudre. Et ils vont mourir. Et ils vont rentrer de la poudre à l'intérieur. Et ils vont contaminer l'intérieur du nid. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Donc tu vois, avec ton liquide... Ouais, bah ouais. Tu les auras jamais. Là, il y en a qui sont perturbés, qui cherchent d'autres trous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette déco. Tiens, il y en a un qui a un truc dans la bouche. Ben, malheureusement, c'est peut-être une de tes abeilles. Ouais. Donc là, un peu comme les abeilles, elles battent le rappel pour dire qu'il y a un danger. Donc il faut venir se défendre. Et t'as vu, dès que j'ai tapé, les vibrations, tout de suite, ça les a déclenchées. Et ça les a mis en... Ils sont sortis pour voir ce qui se passait. Ouais. Et tu vois, il commence à tomber. Ça veut dire que c'est efficace. Hein. Il est plus gros que les autres, lui. Il en a un par terre, hein. C'est là. T'en as une là aussi. Et t'en as d'autres qui, j'entends, qui sont en train de vibrer. Oui. Et ça, je pense qu'on a là Madame la Reine. Elle est plus grosse que les autres. Ouais, elle est plus grosse. Donc je suppute que ce soit Madame la Reine. C'est la reine, ça. Tu vois qu'elle va pas bien là. Ouais. Donc là, le nid va être détruit d'ici. Là, tous ceux qui sont à l'intérieur sont détruits. Le frelon asiatique rentre tous les soirs. Donc normalement, demain matin, il n'y a plus de frelon asiatique de cette colonie qui est vivant. Ok. Donc à moyen terme, d'ici une semaine, il faudra penser à reboucher le trou. Sinon, avec les phéromones, il risque d'y avoir l'année prochaine un retour d'une autre arène. Mm-hmm.